Janvier 2015. Des millions de citoyens manifestent leur attachement à la liberté d'expression, car elle est menacée. Nous estimons que notre liberté d'expression doit être totale. Or, toute démocratie est confrontée à la censure. Dans la France d'aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Est-ce le signe d'un progrès ou d'une régression? Ce film dévoile des formes actuelles de censure en s'appuyant sur des exemples historiques pour comprendre son impact sur l'art et l'information. Comment définir ses limites? Est-elle légitime dans certaines conditions? La France, en faisant le pari de l'ouverture et de la tolérance, a quasiment renoncé à la censure d'État pour l'abandonner à la société. Il y a désormais une censure officielle, une censure officieuse, une censure visible et une censure invisible. Pour la première fois, 7 acteurs de la censure acceptent de témoigner. Parmi eux, des représentants d'un État qui défend nos libertés ou de minorités furieuses qui souhaitent nous les soustraire. Le Piste Christ, c'est une photographie que on a cherché à nous présenter comme de l'art contemporain. En l'occurrence, c'est la photographie d'un crucifix plongé dans l'urine du soi-disant artiste photographe. Nous considérons que il y a là blasphème, sacrilège, offense à ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que je peux assumer le qualificatif de censeur? Est-ce que je peux considérer que, en tant que catholique, lorsque Civitas agit, il est un organisme qui prêche une certaine forme de censure? Oui. Oui, et je l'assume. Lorsque la liberté est détournée au service du mal, il faut qu'il y ait une autorité qui agisse pour y mettre fin. Les catholiques intégristes mènent un combat: faire interdire toute œuvre qu'ils jugent blasphématoire. Civitas, association récemment transformée en parti politique, occupe le terrain médiatique en organisant des manifestations spectaculaires et en lançant une pétition. L'Institut Civitas espère que l'État interdira l'œuvre en vain. Éric Mézil, directeur de la collection Lambert, a déclaré avoir reçu des menaces de mort. 3 jeunes brisent l'œuvre avec un pic à glace. La notion de blasphème est elle-même une notion religieuse, ce n'est pas une notion du droit républicain. Et par conséquent, la liberté d'expression touche à tous les sujets, y compris les sujets religieux. Il n'est pas interdit de se moquer de qui que ce soit, et donc il n'est pas interdit de se moquer des religions par le droit laïque, par le droit républicain. Je regrette qu'en France, il n'y ait plus dans le code pénal punition pour le blasphème
Je rappelle que le blasphème a existé dans le droit français sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française. Je rappelle aussi que le blasphème est puni par la loi dans plusieurs pays de l'Union européenne, aujourd'hui encore. Les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre République et au-delà même de la République, la société française à partir de la philosophie des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme, repose sur l'idée que l'expression est libre, que l'écrit est libre, que l'art est libre, et ces valeurs sont absolument essentielles. Il va de soi que cette république laïque telle que conçue en France, c'est pour nous quelque chose qui se voit comme une forme d'adversaire, parce que nous avons conscience que tous ces repères, tous ces principes sont calqués sur une espèce d'antichristianisme. Sur le concept du visage du Fils de Dieu de Romeo Castellucci, est soi-disant une pièce de théâtre qui a pour personnage central un vieillard incontinent. À l'issue de ce spectacle, grimpe sur une échelle et déverse sur ce portrait du Christ un seau d'un liquide infâme qui symbolise les excréments de l'individu. Encore une fois, pour un catholique, c'est quelque chose d'abject, d'innommable. Ces images puissantes, parfois insoutenables, sont celles d'un des plus grands metteurs en scène européens. Loin de faire de la provocation gratuite, le théâtre de Castellucci est imprégné de compassion et de spiritualité. Ironie de l'histoire, Civitas dénonce un spectacle qui montre combien l'absence d'un dieu conduit à un monde tragique. Christophobie, ça suffit ! Christophobie, ça suffit ! Christophobie ! L'Église de France condamne ces violences. Jamais depuis 1966 et la pièce « Les paravents » de Jean Genet, des théâtres parisiens n'avaient dû faire face à de tels débordements. Le public reçoit de l'huile de vidange. Les représentations sont interrompues à Paris et en province. 220 personnes sont interpellées. Les nouveaux inquisiteurs refusent de voir le visage du Christ maculé d'encre noire. Après le théâtre de la ville, les catholiques intégristes défient le théâtre du Rond-Point. Ce que nous avons en tant que Civitas organisé, c'est une vague de campagne de pression contre les directeurs de théâtre qui programmaient ce spectacle. La cible pouvait être sans doute particulièrement affectée si nous paralysions son mode opératoire et donc son système téléphonique, ses boîtes mail, sa possibilité de réservation en ligne. Rodrigo Garcia, artiste engagé, connu pour ses provocations et ses outrances, propose une satire de la passion du Christ et une critique du capitalisme sur une scène jonchée d'hamburgers. Civitas n'aura pas le plaisir de contempler une salle vide. Le spectacle est maintenu, malgré le soutien d'une quarantaine de députés issus de l'UMP. L'offensive se poursuit. L'association Agriff attaque en justice le directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, désigné comme le nouveau Satan. Il est relaxé.
Avec cette censure archaïque, la tolérance s'affronte à la bigoterie, la lumière aux ténèbres. C'est une extrême droite déguisée en curé. C'est des gens qui vivent au Moyen-Âge, qui ont un discours de templiers, qui veulent que la France soit catholique, point barre, soit dit en passant qu'il n'y ait plus d'arabes et tout ça. Je vous signale que quand même tous les gens qui vont protester là ce soir n'ont pas vu la pièce. Hein. C'est quand même extraordinaire. Nous menons des actions pour tenter de faire comprendre à nos contemporains que leur dignité même est en jeu. Et c'est aussi, dans notre démarche, une volonté, toujours en toutes circonstances, de chercher à amener nos concitoyens, nos contemporains, à élever leur âme. Les intégristes catholiques ont donc changé de stratégie. Ils ont renoncé à l'action violente. En 1988, ils avaient incendié un cinéma qui projetait La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Le film montre Jésus sur la croix tenter de renoncer à son sacrifice pour vivre parmi les hommes. 14 personnes furent blessées. Dans la France des années 60, la censure sur les films jugés blasphématoires est exercée par l'État. Située au XVIIIe siècle, La religieuse de Jacques Rivette raconte l'histoire tragique de Suzanne Simonin, interprétée par Anna Karina. Enfermée contre son gré dans la vie monacale, elle subit les tortures physiques et morales de ses consœurs et se suicide. Ce film, je crois, n'attaque absolument pas les religieuses, contrairement au bruit que l'on veut faire courir. Il n'attaque même pas la religion. Il met en cause les fondements même de la vie monastique, mais il les met en cause dans des termes qui, me semble-t-il, sont des termes extrêmement nobles, sont des termes de réflexion et non pas des termes de satire ou de critique bassement anticléricale. Après tout, on est en droit de se demander quelle est la justification profonde de la vie claustrale. C'est une question que n'importe quel homme est en droit de se poser, que le chrétien lui-même est en droit de se poser. Est-ce que je peux vous demander si vous croyez en Dieu ? Pour le moment, non. Le film est interdit aux moins de 18 ans. La France catholique veut son interdiction totale. Les ligues familiales entrent en guerre. L'Église lève une armée de religieuses qui bombardent de lettres le secrétaire d'État à l'information, Yvon Bourges. Il décide d'interdire totalement le film pour trouble à l'ordre public. L'État a choisi l'ordre moral contre la liberté. Les artistes s'insurgent contre cette censure que Jean-Luc Godard qualifie de Gestapo de l'esprit. Depuis la Libération, 189 films ont été totalement interdits. C'est que les images vivantes et parlantes du film, la puissance du cinéma, son impact sur l'esprit et l'imagination des spectateurs, et pas seulement des plus jeunes, en font une technique dont la portée échappe parfois aux intentions de ses auteurs et dépasse en tout cas celle de tout autre moyen d'expression. Dans un monde où l'on rencontre à chaque carrefour de bons apôtres, prêchant la générosité et le désintéressement, préconisant la fraternité et la solidarité humaine, qui, sinon les bonnes sœurs, répond dans la réalité à ces appels du cœur et de l'esprit. Allègement de toute la scène, suppression de phrases équivoques, large coupure dans le dialogue, scène simplifiée. C'est aussi l'esprit de transgression de la nouvelle vague dont Rivette est le fer de lance qui est censuré. Le film est interdit mais sélectionné au Festival de Cannes. Il ne sortira en salle que 2 années plus tard et connaîtra un grand succès. Depuis, aucun film n'a été totalement interdit au cinéma. Le contrôle que nous exerçons, nous efforçons de l'exercer avec la plus grande prudence possible, c'est un contrôle qui aboutit à une classification. Une classification qui passe par un contrôle, comme on voudra. À son origine, le cinéma a été classé comme spectacle de curiosité et donc devait faire l'objet d'une autorisation spéciale. Alors, ensuite, je pense que à tort ou à raison, on a toujours attaché au cinéma l'idée que
sous une forme ou sous une autre, l'ordre public était en cause. Dans les années 40-50, on peut interdire un film pour atteinte au moral de l'armée. C'est arrivé. On peut interdire un film parce que le film est considéré comme pouvant entraver le cours de la justice, etc. etc. Aujourd'hui, nous n'avons fort heureusement qu'une seule préoccupation, c'est de protéger les mineurs. Et ça s'arrête là. Le cinéma est censuré de deux façons. Les maires peuvent interdire les sorties en salle pour troubles à l'ordre public, et une commission de contrôle des films créée dès 1916 peut les interdire. Elle est le bras armé de l'État pour imposer un ordre moral et politique. Depuis les années 70, la commission a pour seule mission de protéger les mineurs contre la violence et le sexe. Composée de fonctionnaires, d'experts, de jeunes et de professionnels, elle donne un avis au ministre de la Culture qui délivre un visa d'exploitation. La commission visionne 1200 films par an qu'elle classe. Tout public interdit aux moins de 12, 16 et 18 ans ou classé X. Mais comment définir la violence ? Une image traumatisante, c'est une image qui amène toute personne à se voiler les yeux ou à quitter la salle de cinéma lorsque celle-ci est projetée. Voilà. Quand on dit censure, liberté d'expression, aujourd'hui la liberté d'expression, c'est le pervers libre dans une nurserie libre. C'est l'expression qui m'est venue ce matin en petit déjeunant. Je me suis dit, mais comment exprimer ce qui est en train de se passer ? André Bonnet est le nouveau censeur du cinéma français. Co-fondateur de l'association Promouvoir, qui compte quelques centaines de membres proches des milieux catholiques traditionnalistes, il conteste depuis 15 ans certaines décisions de la commission. En s'en prenant au film Saut 3D, il fait trembler l'industrie du cinéma. Le film Saut 3D est un film de pure violence, mais épouvantable, intenable tellement c'est violent. Et c'est ce film sur lequel nous avons obtenu un grand succès auprès du Conseil d'État le 1er juin dernier, puisqu'il a totalement annulé le visa. Lorsque nous avons saisi la juridiction du Saut 3D, l'un de nos arguments consistait à dire que la commission de classification, avant d'autoriser le film aux mineurs, avait tout de même relevé la sauvagerie des scènes. Et pour autant, consciemment ensuite, ils autorisent le film aux mineurs. Nous travaillons de façon empirique. Mais en même temps, comme nous avons différents points de vue et qu'il y a plus de 20 personnes qui sont chargées de donner un point de vue, nous faisons le pari, peut-être déraisonnable, que de la confrontation entre ces personnes compétentes, qui ont quand même une expérience en ces matières, naîtra une position relativement équilibrée. Le Conseil d'État donne raison aux arguments d'André Bonnet et étend l'interdiction de Saut 3D de 16 à 18 ans. Cette nuance a un impact considérable. Les mineurs de moins de 18 ans représentent 20% des spectateurs. Et le film est interdit sur les chaînes de télévision grand public. La première des libertés, c'est de pouvoir saisir un juge. Et un juge qui a le pouvoir de contrôler ce que fait une autorité administrative lorsque cela est contesté. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout s'étonner au nom des libertés, il faut au contraire se réjouir au nom des libertés de ce que l'accès au juge soit facile pour un citoyen individuellement ou pour une association qui a un projet collectif. Alors après, le juge statue. Et là aussi, il ne faut pas s'en étonner. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. L'état de droit repose sur le juge. La volonté de préserver la jeunesse de la violence n'est pas nouvelle. Dans les années d'après-guerre,
l'État interdit livres et revues bien plus populaires que le cinéma. En 1949, le ministère de la Justice se dote d'une commission de surveillance de la presse jeunesse. Une soixantaine de fonctionnaires épluchent des milliers d'ouvrages et distribuent avertissements, interdictions et parfois enclenchent des poursuites judiciaires contre les auteurs et les éditeurs. À la sortie de la guerre de 39-45, il s'est agi pour les pouvoirs publics de protéger la population, de protéger la jeunesse contre les agressions de tous ordres, et notamment l'agression par le livre, les écrits extrêmement violents qui pouvaient exister sur le marché dans cette période particulièrement troublée de reconstruction. Les illustrés pour enfants et qui comportent beaucoup de violence, de bagarres, ont certainement des répercussions sur les actes, les agissements, le comportement des jeunes. On peut très bien observer dans certaines cours de récréation des bagarres qui reproduisent à peu près relativement fidèlement les histoires ou les attitudes que les enfants ont pu observer dans leurs journaux. Alors que c'est une commission purement consultative, on l'accusait de faire de la censure. Un pouvoir consultatif aux effets ravageurs. En 1953, la bande dessinée Big Bill le casseur est accusée de faire l'apologie de la violence. Elle est retirée de la vente. L'éditeur subit 8 années de procès dont il ne se relèvera pas. Les professionnels de la presse enfantine se savent désormais placés sous haute surveillance. Tout ce qui est vraiment fait l'objet d'une mesure d'interdiction est un échec. Ça ne veut pas dire parce que, au fond, l'autorégulation du comportement est ce qu'il y a de mieux. La bande dessinée française est cadenassée et les comics américains étroitement surveillés en raison du naturalisme et de la sensualité des images. La commission a en réalité été aussi créée, comme au cinéma, pour protéger les intérêts économiques français contre l'invasion de la culture américaine. Maintenant, il ne faudrait pas non plus en arriver à rendre la jeunesse actuelle et les garçons en particulier complètement émasculés. Oh, ça risque rien. Actuellement, non, je ne suis pas certain. Les deux actuellement, je trouve que les filles deviennent des garçons manqués et les garçons, on en fait volontiers des fablettes. Tu vois, Tonetti, ce ne sont pas tous des vauriens. Son mari, j'aimerais mieux te savoir au lit qu'à te voir te passionner pour des histoires de gangsters. Dans les années 60, les censeurs veulent mettre au pas la jeunesse yéyé à travers leur revue emblématique Salut les copains, coupable selon eux de cultiver le goût d'une vie facile et dépourvue de règles. Ils s'appuient sur la loi de 1949. Elle prévoit que aucune illustration, aucun récit ne présente sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Ils ne réussiront cependant pas à interdire la revue. La commission a toujours observé ce qui se passait sur le marché du livre, comme de l'audiovisuel, comme du cinéma. Donc de fait, les critères se sont émoussés et sont devenus désuets. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence morale. Et dans ce domaine, tous les événements que nous pouvons vivre récemment peuvent rentrer, bien entendu, dans le critère de la violence. Le terrorisme est une violence. La haine raciale est une violence. La discrimination homme-femme est une violence. Donc, dans ce sens-là, la conception est large. On
on s'adapte au fur et à mesure des publications parce que l'invention est sans limite. Aujourd'hui, dans toutes les déviations possibles, malheureusement. Et c'est très difficile de fixer un cadre. Laisse ce livre là où il est. Ce n'est pas une lecture pour toi. Il y a bon nombre de publications qui ont posé des problèmes à la commission et vous me permettrez de ne pas en révéler les noms parce que, bien entendu, tout ce qui est révélé peut être sujet à contestation. Donc les travaux de la commission sont assortis d'un secret. Aujourd'hui, la Commission ne propose qu'une vingtaine d'interdictions par an. En France, l'État censure de deux façons, par le ministère de la Justice, avec un procès, ou par le ministère de l'Intérieur, avec l'interdiction de la diffusion d'une œuvre. En 1970, Eden, Eden, Eden de Pierre Guyotat subit une triple interdiction, aux mineurs, à l'affichage et à la publicité. L'œuvre est condamnée au nom de la protection de la jeunesse et de l'atteinte aux bonnes mœurs. L'État détourne une loi destinée à la jeunesse pour censurer une littérature destinée aux adultes. Ce livre est présenté par Michel Léris, Roland Barthes et Philippe Solers, ce qui évidemment est assez écrasant pour un jeune auteur. En ce qui concerne Guyotat, qui n'est pas un jeune auteur, qui est un écrivain absolument admirable et qui vient d'écrire un livre qui est probablement un des livres les plus importants dans la littérature française de ces derniers temps et de toujours, c'est du moins ce que je pense. Et si je suis ici dans cette émission, c'est pour m'effacer précisément complètement devant ce livre et devant ce bloc de silence écrit qu'est ce livre. Eden, Eden, Eden provoque un séisme. Son éditeur, Gallimard, décrit ainsi l'œuvre. La guerre, le viol de vivants et de morts, un crime passionnel, des incestes, la faim, un bordel de femmes pour les soldats, un bordel de garçons pour les ouvriers. Quelques heures d'une exaltation sexuelle sans précédent. L'état de terreur absolue. Son aspect subversif est censuré. Des combats de l'éditeur Pauvert à ceux des éditions de Minuit, des écrits de Rousseau à ceux de Sade en passant par Boris Vian, pour l'État, décrire le monde sous ses aspects les plus tabous menace la société dans ses fondements. C'est vrai que cette liberté a été conquise peu à peu. On se rappelle encore le procès de Baudelaire à propos des Fleurs du Mal ou de Flaubert à propos de Madame Bovary, dans une France qui était déjà une France très civilisée, reposant largement sur les valeurs héritées de la Révolution française, des artistes pouvaient être poursuivis pour des œuvres regardées aujourd'hui comme des œuvres majeures de l'art littéraire. Guyotat n'aura pas le luxe d'un procès qui ferait trop de publicité à son livre. Malgré le soutien des plus grands intellectuels, son œuvre est détruite. Le pouvoir est sourd au récit de cet enfer, à cette écriture, cette langue du crime qui décrit la violence du monde. La vie et l'œuvre de Pierre Guyotat en seront profondément bouleversées. Mon arme à moi, c'est le mot. Le mot parler. Et dans le fond, j'en étais pas si sûr autrefois. À cette époque théorique, etc., théorisante, etc. Maintenant, je le sais maintenant. Parce que je sais aussi que quand je parle, quand je suis relativement en forme et quand je suis libre, et les images viennent, et c'est un pouvoir réel. En tout cas, c'est un atout. Je peux, moi qui n'ai rien, qui n'ai rien dans la vie, qui n'ai pas de diplôme, qui n'ai pas aucune spécialité d'aucune sorte, j'ai ça. Il faudra attendre 1981
pour que l'ouvrage renaisse de ses cendres. L'État veut préserver la jeunesse d'une autre violence, celle du sexe. En 1975, il crée la mention « film X » et surtaxe les films pornographiques qui disparaissent des cinémas. Les années 80 et 90 sont celles de la libéralisation. L'interdiction aux moins de 18 ans est supprimée en 1991. En 2000, le film « Baise-moi » de Virginie Despentes et Coralie Trinity pose un problème de classification. Il ne peut être classé X, mais comporte des images crues et violentes. André Bonnet obtient du Conseil d'État qu'il réintroduise l'interdiction aux moins de 18 ans, qui s'applique désormais sur tout film comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence. Cette décision est un tournant pour le cinéma en France. Ce qu'on montre aux plus jeunes, dès 12 ans, c'est le sadomasochisme avec les 50 nuances degrés. C'est désormais des scènes extrêmement crues de sexe réaliste, comme celle qu'on voit dans La vie d'Adèle, où pendant plus de 8 minutes, vous avez une scène filmée extrêmement près, où on ne voit pas trop comment montrer plus que ce que l'on montre. C'est une scène de film pornographique qui est incorporée dans un film grand public. Et ces pauvres actrices, Léa Seydoux, la malheureuse, et puis Adèle, pendant 10 jours, ont été obligées de rejouer à l'infini une scène pornographique de lesbienne, où elles disent en toutes lettres, il fallait que nous jouions. Ça n'était pas chorégraphié. Il fallait que nous embrassions les seins, que nous descendions jusqu'au sexe, nous embrassions le sexe de la partenaire, etc. Il fallait faire l'amour devant la caméra. Est pornographique tout film qui comporte des scènes de sexe réelles. C'est-à-dire, quand deux acteurs font l'amour devant une caméra de cinéma, eh bien, c'est quand même présumé être... un film à caractère pornographique, surtout si le film ne contient que cela. La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, est interdite aux moins de 12 ans. André Bonnet obtient l'annulation du visa d'exploitation de la Palme d'Or à Cannes pour deux scènes qualifiées de pornographiques. Va-t-il réussir à faire interdire aux mineurs tout un pan du cinéma français ? Il perd finalement la bataille. Le Conseil d'État refuse le réexamen de la classification. Si vous avez deux séquences à caractère sexuel dans un film en France, nous n'allons pas dire quelle est la durée de ces séquences, 2 minutes 12 ans, 10 minutes 18 ans. On ne dira jamais ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'isole jamais la scène ou les scènes pouvant prêter à discussion de l'ensemble du film. Alors que... aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne, il y a un système de points où le film perd des points selon que telle ou telle scène va remplir tel ou tel critère. Voyez, l'œuvre n'est pas regardée comme une unité à prendre dans son ensemble. La question du film La vie d'Adèle a été prise comme un tout. Et la deuxième chose, c'est que le dossier que la commission avait sous les yeux ne comportait aucun élément qui pouvait nous faire dire que nous étions en présence de scènes de sexe réelles ou de scènes de sexe non simulées. Voilà. Alors, peut-être de scènes de sexe particulièrement réalistes, comme on dit parfois. Ça, c'est une appréciation, mais sur le fait objectif, je dirais, de la présence de ces scènes, le dossier faisait apparaître le contraire. Ce qui compte, c'est est-ce que le spectateur voit que c'est simulé ? Est-ce qu'il y a des procédés cinématographiques au moment où la scène est filmée qui permettent au spectateur de prendre de la distance, de se rendre compte qu'on est en train de lui montrer non pas un acte sexuel, mais en réalité une simulation, un message d'acte sexuel ? Vous voyez la différence ? Mais ce que voudraient un certain nombre de ces cinéastes, et ils le disent eux-mêmes, c'est faire en sorte que tout le monde, à tout âge, puisse voir de la pornographie, et que ce soit à nouveau quelque chose qui soit dans le circuit grand public, quel que puisse être le prix à payer par les plus jeunes. Vous aurez, du côté, disons, de l'État, peut-être
une attention portée à la cause de la protection de la jeunesse et des mineurs plus grande, au contraire, du côté des professionnels du cinéma, vous aurez un souci d'assurer la sortie en salle de ces films dans les meilleures conditions possibles. Ces choses-là existent, elles sont normales. Quand est-ce qu'il y aura pornographie? Lorsqu'on verra sur un écran de 4 mètres sur 3 un clitoris qui lui fera 2 mètres sur 2? Où s'arrête-t-on? Donc, je prends le pari que si on ne fait rien, dans 5 ans ou dans 6 ans, on aura des scènes de zoophilie qui seront proposées aux mineurs au cinéma. Les enjeux économiques priment-ils sur la protection de la jeunesse? Après Ken Park de Larry Clark ou Nymphomaniac de Lars von Trier, l'offensive d'André Bonnet se poursuit. Quentin Tarantino et ses 8 salopards constituent sa prochaine cible. Dans cette croisade, André Bonnet n'est pas seul. Sur Internet, des censeurs interdisent la diffusion d'images jugées choquantes. Un utilisateur du plus grand réseau social de la planète a vu son profil purement et simplement supprimé lorsqu'il a voulu mettre en ligne une photo du célèbre tableau. Le plus grand réseau social, Facebook, censure des utilisateurs mais aussi des institutions. Le musée du jeu de paume a dû enlever sur sa page un nu de Laure Albin Guyot pour ne pas perdre ses followers. Est-ce le revers d'une lutte contre la pornographie et la pédophilie? Le triomphe du puritanisme américain? Nouveau curseur de la censure? Ou la nécessité pour Facebook de rester ami avec 1,4 milliard d'utilisateurs dont les cultures diffèrent? Si Internet et Facebook sont des espaces uniques de liberté d'expression, pourquoi censurer la nudité et cependant tolérer des contenus d'une violence extrême? Face à l'explosion d'Internet et de sa cyber-haine, l'État se voit en partie confisquer son rôle de censeur et d'arbitre. Un État isolé est quelque peu démuni. La conception classique qui voulait qu'un droit soit édicté par un État et s'applique sur le territoire d'un État est aujourd'hui remise en cause par des normes qui dépassent de beaucoup les frontières. Et au premier rang de ces normes, on trouve bien sûr la régulation du numérique, d'Internet et des réseaux sociaux. La nudité est-elle désormais considérée comme de la pornographie? Les tenants de l'ordre moral sont-ils parvenus à imposer leur vision conservatrice de l'art et de la société? Je crois que ce dont il faut se rapprocher, c'est tout simplement la décadence de l'Empire romain. Et lorsque l'on regarde cette histoire romaine, on s'aperçoit que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque, et avec les mêmes poncifs. Je crois que personne dans la commission ne prononce jamais le mot de morale. Non pas que nous soyons des immoralistes, mais simplement parce que ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas notre affaire. Au grand regret d'une minorité, l'État a abandonné son rôle de police de la morale. Un rôle autrefois assumé pour éduquer la jeunesse, parfois au prix de la liberté artistique. Alain Perfit, ancien ministre de l'Information sous De Gaulle, l'affirme face au créateur Roger Vadim. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'une certaine forme de débauche, j'emploie un mot qu'on peut retourner contre moi, de liberté dans l'érotisme, soit le symbole de la décadence. Chaque fois qu'une société s'est livrée ainsi à une sorte de dérèglement, de dissolution des mœurs, il y a eu un retournement après. Ou bien alors il y a eu une invasion et une conquête devant laquelle elle n'a pas su se défendre. Alors ce que je crains, c'est que notre société occidentale, notre libre société occidentale, si elle continue d'aller dans le sens que vous souhaitez, se condamne elle-même à sa propre disparition. Il me semble que on nous traite comme si on était vraiment des êtres sous-développés. Je ne vois pas. Il n'est pas question de drogue ici. Il n'est pas question de violence. Il n'est pas question de sadisme. Je ne vois pas pourquoi l'acte charnel, je ne vois pas pourquoi la vision de la nudité est un symbole de décadence. Il est bon que vous vous sentiez libre dans votre action et dans votre recherche. Mais en face du créateur qui doit se sentir libre, il faut qu'il y ait des responsables qui, au nom de la société, vous disent non. C'est au nom du pouvoir que le général de Gaulle dira non, notamment dans le domaine de l'information.
La France des années 60 est celle de la censure à la télévision. Ce média de masse qui fait irruption dans les foyers est une révolution. De Gaulle en fait un usage personnel pour s'adresser aux Français. La télévision est sous le contrôle du ministre de l'Information, installé dans l'ancien ministère de la Propagande. La presse était suspectée d'être hostile. C'est vrai qu'elle l'était d'ailleurs en gros à De Gaulle et sur beaucoup de sujets, énormément de sujets. Donc De Gaulle exprimait que on avait la télévision, elle appartenait à l'État, et rien qu'à l'État, donc elle devait exprimer ce que M. Pompidou d'ailleurs appelait ensuite la voix de la France. La question la plus sensible à l'époque, mais elle ne dépendait pas des affaires étrangères, c'était l'Algérie. Et sur l'Algérie, il y avait évidemment des interventions, des limitations qui ont pu se passer et qui étaient traitées en dehors de moi. Tournez-vous, face à nous. Bon pour le service. On t'apprend déjà, la première chose, c'est à obéir. Au suivant. On n'apprend pas seulement à obéir, remarque. D'ailleurs, on t'apprend la haine de l'autre. De... Oui, d'accord, tu fais on t'apprend la haine de l'ennemi, quoi, là. Ce film n'a pas été diffusé à la télévision en raison du caractère subversif des propos tenus sur l'armée et le service militaire. Le petit soldat de Jean-Luc Godard, L'Algérie en flammes de René Vautier, Muriel ou Le temps d'un retour d'Alain Resnais. Les films sur la guerre d'Algérie sont censurés par l'État, à la télévision comme au cinéma. Ils le sont aussi par d'anciens combattants qui menacent les exploitants de salles. La bataille d'Alger de Pontecorvo attendra 2004 pour sortir en salle sans incident. C'est un poste usant. Selon un proverbe arabe, une chandelle qui doit éclairer n'éclaire qu'en se consumant. Le général de Gaulle, il avait comme ministre de l'Information Alain Peyrefitte, et qui a cherché à trouver le meilleur usage possible de la télévision publique. Et pour cela, il a constitué un service interministériel d'information, auquel j'ai participé, et qui avait pour objet de coordonner l'ensemble des besoins de l'État à l'égard de la télévision publique. Lille ? Oui. Bonjour, Harry Juhn ici. Mmh. Est-ce que votre sujet est prêt ? Au départ, c'était un rôle très bénéfique. Il s'agissait d'aider ERTF à remplir son rôle en lui apportant des informations, des dossiers. Moi, je donnais rarement une opinion, mais enfin quand même, de temps en temps, je donnais une opinion. Je n'ai pas l'impression que c'était une censure. C'était une sorte de coopération intelligente. Et tu as ce feuillet également sur la politique française. Tu veux l'ordre ? Ça y est, la presse. Alors, le petit de oui. Moteur pour Nice, machine 7. J'allais à la télévision, parce que les émissions se faisaient vendredi soir, au dernier moment, et souvent ils recevaient des bobines de correspondants qui arrivaient, qui étaient insérées, etc. Donc j'étais vraiment à chaud. Le but des Américains et des Soviétiques est d'arriver à un accord sur la limitation des armes stratégiques, c'est-à-dire des armes nucléaires. Ça a dévié vers une sorte de personnalisation, car c'est finalement le ministre et son directeur de cabinet qui étaient directement en contact avec les directeurs de l'information. Donc sa tendance était de donner des instructions et de vérifier tous les jours que les journaux correspondaient bien à ce qui était souhaitable. Attention à nous pour le direct. Hein. Nous avons demandé au ministre de l'Information, M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, le fait que la RTF soit sous l'autorité du ministre de l'Information, de vous-même, est-ce que cela ne va pas être considéré comme une sorte de mainmise du gouvernement sur le journal télévisé ? Le fait que j'inaugure cette nouvelle formule de journal télévisé ne signifie pas que le gouvernement veut se l'approprier. Les présentateurs doivent exposer les faits impartialement. Ce n'est pas à eux d'être les avocats du gouvernement, ni non plus les accusateurs d'ailleurs. Quand le gouvernement voudra défendre son point de vue... Oui, le dialogue était quotidien.
parce que le téléphone marchait, on disait même qu'il y avait un bouton qui lui permettait d'avoir en direct le directeur de l'information, qui était d'ailleurs très, 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 très docile à cette époque. Et si un journaliste estime que l'orientation que je donne au journal n'est pas celle qui convient, il a, comme dans tout organe de presse, la possibilité de faire jouer la clause de conscience et de s'en aller. Les journalistes sont donc priés de se soumettre au pouvoir jusqu'au jour où... Ces images diffusées dans l'émission Zoom pendant les événements de mai 68 provoquent l'arrêt de l'émission. Avant, on ne voyait pas de manifestation à la télévision, bien entendu, très très peu. Tandis que là, brusquement, ça faisait éruption. Les gens étaient effarés. Hein. Donc il y avait plainte à l'Élysée, plainte qu'est-ce que l'information, ça y est, entre les mains des gauchistes, des agitateurs. Les producteurs André Harris et Alain de Sédouy doivent quitter l'ORTF. Il y a une retenue naturelle. Hein. Et il n'y a pas eu de récit de 68 immédiatement. Hein. Pendant que la France flambe, le pouvoir politique régale des millions de spectateurs d'émissions inédites. Georges Walter, 300 jeunes femmes dans un institut de beauté à Mulhouse ont tout lieu d'être mécontentes aujourd'hui. Elles sont mécontentes parce qu'elles sont malheureuses. Elles avaient acheté de l'espoir et cet espoir a été déçu. Elles voulaient maigrir et il ne faut pas sourire des femmes qui veulent maigrir de quelques kilos car ces quelques kilos sont ce qui les sépare peut-être d'une autre vie dans leur esprit. Et c'est pourquoi elles s'étaient précipitées vers cet institut qui leur promettait, chose étrange, de les faire maigrir dès la première séance de 12 cm et demi. La rupture survient en 1969 avec Jacques Chaban-Delmas, nommé Premier ministre du président Pompidou. Pour répondre à mai 68, il propose une nouvelle société, plus juste, plus libre, grâce notamment à la télévision. Il donne aux directeurs de l'information leur indépendance. Chaban a pensé que le rôle traditionnel des ministres de l'information n'était pas justifié. Il a supprimé le ministère de l'information. Et il disait aux directeurs de cabinet, comme il l'avait dit aux ministres, ne touchez pas à la télévision. Sois bien entendu, monsieur Royer. Que je ne me dérobe pas à une confrontation entre nous. Armes égales, le titre l'indique, c'était mettre à égalité quelqu'un de l'opposition et quelqu'un de la majorité, quelqu'un du pouvoir. Hein. Et ça, c'était totalement nouveau, hein, parce que c'était plus le monologue. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Face au père la pudeur Jean Royer, le philosophe de gauche Maurice Clavel dénonce la censure sur son film, amputé d'un mot critique sur le président Pompidou. Il formule une phrase mythique qui restera gravée dans l'histoire de la télévision. Messieurs les censeurs, bonsoir. Ça, c'était un effet de scène hein, de Clavel, parce qu'il n'y avait pas tellement matière à censure. Hein. Donc c'est un épiphénomène. C'était un problème, au fond, d'ordre politique. C'est-à-dire ceux qui pensaient, dans la droite, que le laxisme de l'information était une cause de perte de l'électorat. Hein, et ceux qui pensaient qu'au contraire, c'était une ouverture sur la société dont on trouverait le bénéfice. Bien là, je veux dire qu'on assiste à un spectacle qui peut se résumer en une phrase. Vous êtes en train de recréer une nouvelle forme d'esclavage. Une nouvelle forme d'esclavage, avec tout cela comporte, pour ceux qui viennent travailler en France, qui sont un sous-prolétariat, mal payé, mal logé, maltraité. Edgar Faure, qui incarne la majorité au pouvoir, futur président de l'Assemblée nationale, se fait humilier par le socialiste Gaston Defferre en direct. L'émission est supprimée quelques mois plus tard, sur instruction du président Pompidou et de ses conseillers. Donc ils nous accusaient de lâcher un instrument de l'État. Alors
on s'est dit, bah, oui, Chaban nous fait perdre des voix. Son laxisme, finalement, fait le jeu de l'opposition. Voilà. Donc, il faut qu'il s'en aille. C'est ce qui s'est passé. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. C'est considéré comme tel à l'étranger. Et c'est considéré comme tel par le public, qui, quand on lui dit quelque chose, quand on lui fait remarquer quelque chose, répond « Mais c'est pas vrai, ils l'ont dit à la télé. » Ils l'ont dit à la télé. Pompidou demande au Premier ministre sa démission. L'audace de Chaban Delmas vis-à-vis de l'ORTF a contribué à provoquer sa chute. Le pouvoir ne veut pas d'une société aussi librement informée. Il ne veut pas non plus la diviser. Deux années plus tôt, Le chagrin et la pitié de Marcel Ofuls, premier film documentaire qui traite de la collaboration sous Vichy, est interdit à la télévision. Dans ses mémoires, Marcel Ofuls raconte que le général de Gaulle aurait dit au sujet du film « La France n'a pas besoin de vérité, elle a besoin d'espoir ». Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Inclinons-nous, mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance et que, dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement. Tragédie aux premières heures de cette journée de la Toussaint, plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Le bal tragique de Saint-Laurent-du-Pont est un fait divers que le journal Harakiri détourne pour titrer la une la plus scandaleuse de l'histoire de la presse sur la mort du général de Gaulle. Régulièrement censuré depuis les années 60, le journal est retiré des ventes. Pour survivre, il change de nom et devient Charlie Hebdo, en mémoire de Charles de Gaulle, enterré à Colombelles-les-Deux-Églises. Depuis, la presse s'est découvert un nouveau censeur, le pouvoir économique et financier. Hier, Harakiri éclaboussait l'homme politique le plus populaire de France. Aujourd'hui, Libération insulte l'industriel le plus riche de France, en écrivant que le patron du plus grand groupe mondial de luxe LVMH envisageait de partir en 2012 en Belgique pour des raisons fiscales. Casse-toi, riche con, à l'attention de Bernard Arnault. Et pour en parler avec nous ce soir, l'actionnaire principal du journal, Édouard de Rothschild, de la dynastie de banquiers. Est-ce que vous validez cette une de votre journal? D'abord, j'ai découvert cette une en lisant le journal comme vous ce matin. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre journal? Non. Ce n'est pas ma responsabilité de savoir ce qui se passe sur le plan éditorial. Quelle est ma responsabilité en qualité d'actionnaire? C'est la responsabilité du business. De ce point de vue-là, je ne peux que saluer une opération de marketing très réussie. La preuve, c'est que vous m'avez invité ce soir. Et en tant que lecteur? Est-ce que ça vous a choqué? Non, ça ne m'a pas choqué. Je trouve que c'est tout à fait dans le style provocant de Libération. Et j'ai pensé que c'était une très belle opération de marketing. L'actionnaire principal a-t-il raison de se réjouir? Le journal publie le lendemain « Bernard, si tu reviens, on annule tout. » LVMH aurait retiré des budgets publicitaires au journal, Libération aurait perdu des centaines de milliers d'euros. La presse appartient aujourd'hui aux industriels. La censure économique prend plusieurs formes. Comment arbitrer entre le souci de rentabilité d'un journal et la nécessité de financer des enquêtes aux issues incertaines? Comment ne pas exercer de pression pour que l'éditorial ne fâche pas ceux dont on partage les intérêts? Le pouvoir réel des industriels est d'avoir provoqué chez les journalistes une autocensure. Soixante-dix ans plus tard, le bilan est amer.
7 hommes d'affaires détiennent la majorité de la presse française. Ils possèdent la presse, mais ils ont également conquis la télévision. Au fond, la seule réponse à l'intervention de l'État, c'était la concurrence. Bouygues achète TF1, Drahi BFM TV et Bolloré Canal+. Il est évident qu'entre les propriétaires capitalistes des médias et les médias, il y a un rapport qui peut poser le problème qui était avant celui de l'État. Parce que quand on est propriétaire d'un instrument, on a quand même tendance à l'utiliser. Bon. L'investigation est menacée chez Canal+, qui retire de son site internet une enquête critique sur l'Olympique de Marseille pour ne pas froisser un de ses partenaires. La chaîne interdit ensuite la diffusion d'un documentaire sur le Crédit Mutuel qui soupçonne un système d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent de sa filiale, la Banque Pache. Des censures sur lesquelles Vincent Bolloré a refusé de s'expliquer dans ce film. Par ailleurs, Canal+ assure 50% du financement du cinéma français. Il y a des sujets qui ne sont pas prisés par, comme vous dites, les chaînes de télévision qui sont les financeurs ou les cofinanceurs des films, ou par les producteurs, ou parce que l'on voudra. C'est certain, c'est certain. De ce point de vue-là, il reste une grande différence entre le cinéma américain et le cinéma français. Les grands patrons sont des gens très prudents maintenant. Hein. Alors leur influence existe sûrement, mais elle est très discrète. Vous avez quelqu'un comme M. Drahi dans l'Empire 7 ans. De quelle façon son influence joue, c'est pas vraiment connu d'ailleurs. Hein. Cette concentration des médias aux mains d'une poignée d'industriels est inédite dans notre histoire. Dans une France en état d'urgence, où nos libertés sont menacées, l'indépendance des médias est vitale. Notre démocratie a besoin de sa liberté d'expression pour résister aux actes qui menacent nos valeurs et notre pacte social. Je peux, en tant que musulman, en tant que français, vous dire que, d'une manière absolue, la liberté n'a pas de limite. La liberté d'expression est un droit reconnu, est un droit qui fait intégralement partie des droits de l'homme. Cette liberté est aussi une liberté d'expression de la religion, mais aussi une liberté d'en penser ce qu'on veut et de la critiquer. Dans l'islam, il y a une caricature qui a profondément amené la réaction, c'est celle où on présente le prophète avec une bombe sur sa tête. Le prophète n'a jamais été un terroriste. Présenter le prophète comme un terroriste, donc c'est dire que tous les musulmans adorent le terrorisme ou font de leur principal personnage un terroriste. Et personnellement, je me sens offensé de dire que ma religion est une religion terroriste, parce que c'est faux. Parce que c'est faux, et à partir du moment où il y a une contre-vérité, je demande réparation parce que ça me porte préjudice.
Vendu à plus de 400 000 exemplaires, le numéro de Charlie Hebdo provoque un fort retentissement au sein de la société. Les 12 caricatures publiées initialement par le journal danois Jyllands-Posten sont toutes reprises. Le recteur Boubaker demande que les journaux soient retirés de la vente, sans succès. Pourquoi on a publié ces caricatures? D'abord, solidarité avec nos confrères du Jyllands-Posten, qui n'est pas un journal d'extrême droite, qui est un journal conservateur, qui a été stigmatisé dans le monde entier comme journal xénophobe, raciste, qui est faux. Ensuite, solidarité surtout aussi avec le patron de France Soir, qui s'est fait virer pour avoir publié les caricatures, sans que ça fasse tellement de remous. Alors pour que le périmètre de la liberté d'expression soit défini par le législateur élu au suffrage universel et non pas par des pressions religieuses, on a décidé de publier ces caricatures. Dalil Boubaker intente un procès, non pour blasphème, mais pour injure stigmatisant un groupe de personnes en raison de sa religion. La justice considère que les caricatures ne visent pas un groupe de personnes. Elles visent une conception fanatique de la religion. Les caricatures n'attaquent pas les musulmans, mais l'intégrisme. Le procès révolte la presse et devient politique. Il se transforme en défense de la liberté d'expression. De nombreuses personnalités manifestent leur soutien. La capacité pour un journaliste, pour un dessinateur, de pouvoir dire ce qu'il pense à un moment ou à un autre. La relaxe est prononcée par les tribunaux. Les réseaux sociaux se mobilisent. Le quotidien iranien Amshari réplique en lançant un concours de caricatures sur l'Holocauste. Le monde musulman s'embrase. Charlie Hebdo est un symbole de la liberté d'expression, d'une liberté d'expression très large qui peut atteindre certaines formes de démesure, mais qui reste une liberté d'expression et qui n'enfreint aucune valeur fondamentale parce que dans la manière dont Charlie Hebdo s'exprime, dont les dessinateurs de Charlie Hebdo dessinent, il n'y a jamais d'appel à la haine ou à la discrimination. Ce qui conduit à se retrouver de l'autre côté de la liberté d'expression, du côté où là il y a une atteinte à l'ordre public, c'est lorsque certains propos sont de manière très nette des appels à la haine, à la discrimination et même à certaines formes de violence. Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le retrait de la vente du DVD du spectacle et interdit sa commercialisation. Il a jugé certains passages constitutifs de provocation à la haine et à la violence, de contestation de crimes contre l'humanité et d'apologie de crimes contre l'humanité. L'affaire est toujours en cours. La cour d'appel devra se prononcer. Quelle est la différence entre les caricatures de Mahomet et le spectacle Le Mur? Charlie Hebdo caricature l'intégrisme qui instrumentalise une figure religieuse, le prophète Mahomet, tandis que Dieudonné vise directement un groupe de personnes, les Juifs. En France, on a le droit d'offenser une religion, mais pas de stigmatiser des individus. C'est parce que le spectacle Le Mur incite à la haine raciale et à l'antisémitisme qu'il relève du domaine pénal et peut être poursuivi en justice. Il y a certaines formes d'expression parce qu'elles viennent méconnaître le pacte social dans ce qu'il a de plus fondamental, parce qu'elles constituent une forme d'insulte à l'histoire et au devoir de mémoire que chacun doit avoir devant des actes de barbarie qui ont été la négation des valeurs essentielles de la civilisation. Ces limites ne porte pas atteinte à la liberté d'expression, je dirais au contraire, permettent à la liberté d'expression de s'exercer pleinement dans un cadre qui soit un cadre respectueux des valeurs essentielles du consensus social. Malgré de multiples condamnations,
Dieudonné réitère ses propos racistes et antisémites. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, autorise les préfets à interdire le spectacle en province. Cette mesure d'interdiction, propre à un État censeur des débuts de la Ve République, est validée par Bernard Stiern au nom du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France. L'objectif est d'éviter que des propos gravement racistes ou antisémites se répandent sur les scènes d'une démocratie comme l'est la France. Et de ce point de vue-là, on peut se réjouir d'ailleurs de voir que la personne intéressée continue d'évoluer dans le monde du spectacle, mais avec aujourd'hui des spectacles qui ne contiennent plus de propos racistes ou antisémites. C'est cela l'objet même, je dirais, de l'intervention des juges. C'est moins de réprimer que de garantir une liberté d'expression respectueuse de la dignité de la personne humaine. Les représentations du spectacle Le Mur ont été reprises sous le nom Azuzoa. Dieudonné a conservé la même trame expurgée des passages délictueux. Dix années se sont écoulées depuis le procès de Charlie Hebdo. Le fanatisme islamique s'est intensifié à l'étranger. Le monde occidental un peu assoupi dans sa certitude, n'est-ce pas, d'être à l'avant-scène de l'actualité mondiale, ne s'est pas rendu compte, et ça, je le regrette profondément, de l'évolution de l'autre monde, du monde de l'islam, qui jusqu'à présent était totalement affaire de piété, affaire de rites et de croyances, est devenu une religion dynamique, une religion politique, une religion qui a saisi ou instrumentalisé certains aspects de l'islam comme étant des éléments mobilisateurs. Il faut bien comprendre que nous vivons une phase, je dirais, de l'expression révolutionnaire, c'est-à-dire qui veut changer les choses. En France, une infime minorité a pris le chemin de l'extrémisme et du fanatisme. Deux terroristes français qui incarnent un islam radicalisé exécutent 12 personnes lors de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo sous le prétexte de venger le prophète Mahomet. L'assassinat de ceux qui incarnaient la liberté d'expression blesse notre démocratie. Le peuple français est sidéré. Nul n'a le droit de tuer quiconque. C'est une loi, même pour moi, divine. Ça, c'est dit dans ma religion. Et je pense que ce sont des principes moraux, que ce sont des principes éthiques et que ce sont des principes, n'est-ce pas, de respect d'autrui, y compris dans sa liberté la plus totale. La malheureuse reste de la rédaction de Charlie Hebdo ont demandé à venir me voir. Nous avons bu le thé ensemble, nous avons devisé, nous avons pleuré toutes les victimes de leurs camarades. Nous avons dit à quel point nous étions avec eux. Et de leur côté, ils ont aussi dit des choses apaisantes. Une semaine après les attentats, Mahomet revient à la une de Charlie Hebdo. Que signifie-t-elle ?
toutes les interprétations sont possibles. Le prophète est-il représenté avec douceur ou avec ironie? Pardonne-t-il à la rédaction ses caricatures maintenant qu'elle a payé le prix du sang? Pleure-t-il sur ce que les intégristes ont fait de son message de paix? Une société peut être fragile. Il est important qu'une société sache affirmer des valeurs essentielles. Dans nos sociétés démocratiques, la première des valeurs, c'est le respect de l'autre. Là, je crois que oui, le droit des libertés est là pour que ces valeurs aient toute leur force, qui sont d'autant plus nécessaires que malheureusement, elles sont parfois menacées. Avec les attentats de Paris et de Nice, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la peur. La peur est-elle l'ennemi de toute liberté? Quelles seront les nouvelles formes de la censure? Messieurs les censeurs, bonsoir.